Nous sommes de retour à la bibliothèque du Centre culturel espagnol avec son directeur Alberto Gomez-Font. Merci d'être resté avec nous. Est-ce que vous nous avez parlé tout à l'heure des nombreux instituts qu'il y a au Maroc? Il y en a 6 au total au Maroc, seulement dans des grandes villes. Donc pourquoi un institut à Rabat et pas à Midelt, par exemple? Pourquoi on centralise comme ça la culture dans les capitales? Je crois que c'est une question pratique, économique. La quantité des élèves qu'on peut avoir à Midelt, c'est pas la même qu'à Casa ou à Rabat ou à Tanger. Même on cherche la proximité des universités. À Midelt, je crois qu'il n'y a pas d'université. Non. Mais il y en a il y en a ces 20 au Maroc, mais nous avons aussi des petits, on dit des petites antennes, des petits Cervantes, mais pas un bâtiment, mais petit salon de classe. On a à Nador, à Al-Husayma, à Agadir, Essaouira, et il y en a une autre. On a 5 petits. Aussi dans des petits villages, petites villes. D'accord. Et on est en train de faire quelque chose ici près à Kenitra, Inch'Allah. On doit se peindre chouïa chouïa.